Aujourd'hui, je rends hommage à ces Italo-Américains, Italo-Italiens, Italo-Belges, Italo-Vietnamiens, Italo-Français. Et Lara en fait partie. Elle est aussi Mais Italo-Canadienne. tu ne chantes pas de Lara Fabian sur scène. Mais j'aurais pu. Je En t'aime, fait, moi j'aimerais bien je t'aime par c'est vrai que. Roberto Heleniak. Tiens, bah écoute, je t'invite et puis on le fera ensemble. Voilà, avec plaisir. Tu Quand sais que tu toujours la porte est toujours ouverte. Merci, je l'avais invitée aussi Robert. pour Sicilien, mais elle est très occupée aussi. Tu sais si tu veux venir, on le fera ensemble. C'est avec un petit peu avec Lara plaisir. And Friends hein, cet après-midi aujourd'hui, puisque tu es entourée de grandes voix. Toi, est-ce que tu as été intéressée par le lyrique? Oui. Beaucoup. J'ai essayé, tu sais, c'est vraiment un autre apprentissage. Donc j'ai travaillé énormément la voix, je continue, sur base d'une technique lyrique, mais c'est vraiment un sacerdoce. Et puis surtout, tu peux pas déroger. Donc quand tu as envie de faire quelques petites libertés musicales, tu te fais remettre. Ouais. Voilà, et alors, peu... il t'arrive, toi, quand tu t'entraînes ou quand tu travailles, de chanter des Toujours. Chansons en quoi soprano? Des alors, arias, oui, coup, tout à fait. Je travaille sur la technique lyrique, ouais. Donc des vocalises complètement classiques, et des arias. Et de l'opéra. Qu'est-ce oui. que tu chantes, par exemple? J'ai chanté Verdi, beaucoup. Ah oui. Ouais, La Traviata, beaucoup. Et puis voilà, et puis des petites choses un peu plus légères, parce qu'il faut une solide voix. Ah, mais moi, il y avait une chanson de Lara qui m'avait totalement bluffé. C'était sur un live, je crois. C'était l'Adagio d'Albinoni. Bah oui. Ah oui, qui était en fait un magnifique. Texte. Enfin, je l'écoutais même pour m'endormir le soir. C'est un truc de fou. Je mettais ma chaîne et je mettais cette chanson qui est... C'était un texte que tu avais écrit avec Rick Alliston, d'ailleurs. Tout à fait. C'était en hommage à Albinoni. Absolument. Ouais. C'était une façon de parler de l'amour au sens éternel. Ouais. Alors, ne t'endors pas. Je propose à Lara d'en chanter un extrait. Avec Stanel Dadjo, Lara Fabian. Sur elle. Ah mais oui, parce que je trouve que Lara est toujours plus belle, plus les années passent, plus elle est magnifique, et plus on est captivé par, je sais pas, c'est quelque chose qui passe comme ça, ça s'explique pas, et moi voilà, c'était depuis voilà, très longtemps, et voilà, je sais plus m'arrêter. Subjugué voilà, par la beauté de Lara tout à l'heure. Ouais, c'est gentil. Merci. Dit par un si joli garçon, c'est, ouais. Ça fait plaisir. Quel âge tu avais en 2000? Oh, alors, 12 ans en arrière, oui. J'étais pas vieux. Bah, quelque chose, ouais. 10 ans, quoi. 11 ans, donc tu étais un petit garçon qui écoutait la radio, la musique. Exactement. Et est-ce que tu écoutais Tu es mon autre? Mais je pense qu'on peut pas passer à côté. On peut pas passer à côté de cette chanson, elle est magnifique. Techniquement, elle est pas facile quand même aussi, ouais. Surtout quand on n'est pas l'artiste original. Et donc, c'est pour ça que moi, je suis très content de pouvoir. Quelle était l'histoire de cette chanson d'ailleurs, Tu es mon autre? Comment s'était fait ce duo avec Morane? Une envie que vous aviez eue toutes les deux? Ça faisait longtemps que je rêvais de chanter avec elle. Ma meilleure amie, Nathalie Slack-Mulders, me l'avait présentée, puisque c'était son amie à la base, les deux Belges en folie constamment. Et je l'ai rencontrée à l'âge de 18 ans. Et j'ai toujours nourri ce rêve jusqu'au jour où on a écrit cette chanson avec Rick. Et c'est une chanson que j'ai écrite pour Rick. Le texte, à la base, est un texte d'amour pour lui. Moi, en écoutant la mélodie, je me disais, ça n'est pas une mélodie unique, c'est pas une mélodie en solo. C'est une mélodie qui ne peut ne prendre corps pour que le texte
et du sens qu'au travers de deux voix. Et j'ai demandé à Morane si elle était d'accord et elle a dit oui. Voilà. Voilà. Et le reste est l'histoire de la chanson. Est-ce que tu es d'accord? Je ne t'ai pas posé la question d'ailleurs. Est-ce que faire un duo avec un homme, c'est un peu comme faire l'amour? Mais il y a quand même quelque chose de ça. Je suis assez d'accord avec toi. Parce qu'il se passe, une part de nous doit se dévoiler, une part de nous doit se mettre à nu pour pouvoir partager quelque part. Donc, ouais. Et puis si l'amour c'est sacré, alors absolument, chanter à deux c'est sacré. Donc aussi. Après avoir fait l'amour avec Roberto, Lara c'est Fabian va faire. Oh mon Dieu, bien tard. Je pourrais être sa mère. Allez, c'est parti, on vous regarde, hein, nous. On n'a rien d'autre à faire. Amour